Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans l'épisode 14 de Oui, The Revolution. Oui, The Revolution. Comme si on disait qu'on était, si on chantait dans un clip de K-pop. Et aujourd'hui, jour 13 de l'épisode 14, allons-y, de l'acte 2. On y croit, ça a bien se passer. Très bien, bah, j'ai même pas eu jour 13 ou quoi que ce soit, ça me lance directement ici. Nous avons seulement quelques affaires mineures à traiter aujourd'hui, Excellence. Très bien. Très bien, très bien. Bonne relation avec votre daron, bonne relation avec votre aîné, bonne relation avec votre femme. Rumeur contre-révolutionnaire, très bien. Rumeur, très bien. Un ivrogne et un joueur. La Vendée, position dans la hiérarchie, monument achevé qui va durer encore un jour restant. Hein. Et après, on va commencer à subir les malus assez bourrins. Et là, on est à moins 15 des aristos, ce qui est quand même un vol assez bas, il faut se l'avouer. Donc on va être gentil dans nos verdicts aujourd'hui. Ouh, la limite. Hubert Ardouin. Au cours d'une bagarre d'ivrogne à laquelle il participait, Hubert Ardouin a tué Rémi Abadi en lui fracturant le crâne sur le coin d'une table, putain. Aussitôt qu'il prit conscience de son crime, il s'empara des rênes d'une voiture qui passait par là dans le but de s'échapper. Il était heureusement trop aviné pour conduire correctement et ne tarda pas à perdre une des roues du véhicule, ce qui permit sa capture. D'accord, donc meurtre, délit de fuite, ivrogne, allez hop, guillotine. Roger Boissieu a déserté l'armée et fui Paris, où il était détenu par la garde pour ébriété et rixe. En s'informant auprès de son supérieur, les inspecteurs apprirent que Boissieu était suspecté du meurtre d'un compagnon d'armes. Il s'agit probablement du motif de sa fuite. Et on ne sait pas. Et on ne sait pas à qui il appartient. Faisons ça en dernier. Francis Allard, âgé de 72 ans, promenait avec plaisir sa voiture dans tout viroflet, même s'il était trop ivre pour tenir en selle. Mais bordel de merde, qu'est-ce qu'ils ont à conduire bourré? Les voisins qui l'arrêtèrent ont attesté qu'il circulait avec ses petits-enfants et que la situation aurait pu finir tragiquement. Il est vieux, il voyageait avec ses petits-enfants, c'est les siens, donc s'il avait un accident tragique qui aurait tué tout le monde, c'eût été de sa faute, moi je suis pour le garder, hein, mais on va voir. Bouté et abattu, je suis en pitié si tu veux. Moi je me sens gentil aujourd'hui. Noël Bouté et Marius Abadi jouaient à la guerre avec d'autres enfants de leur cour en prétendant imiter, je cite, les mousquetaires du roi. L'un des voisins en informant la garde, et lorsque les soldats arrivèrent sur les lieux, les enfants reconstruisaient la Bastille à partir de vieux coffres, et Bouté et Abadi se proposaient de la défendre. Ah! Alors moi je propose, comme c'est des enfants, de leur donner une bonne leçon. Et de les mettre à mort, mais je crois que je sais pas si la leçon elle va bien rentrer, si tu veux. Donc non, mais les aristocrates n'aiment pas ça. On va se calmer. Jean Côté, un prêtre constitutionnel, Jean Côté, a été arrêté pour avoir fondu et vendu de l'or destiné aux besoins de la Révolution. Nous sommes parvenus à trouver des personnes l'ayant vu boire et entrer dans des maisons de tolérance. Nous soupçonnons l'ecclésiastique de s'être adonné à la débauche aux frais de l'État. Nous avons donc ici l'opinion de l'expert, Alain de Greff, qui va donc nous donner la situation analytique de sa position ecclésiastique auprès de l'État et la décision du juge sur ce cas particulier. Ah, prêtre à constitution, poireaux, besoin basique, envie de bien-être, situation à Paris compliquée, attaque de la part des Anglais, mort de la reine, situation complexe avec l'Autriche, un moment, se veut se faire pépon par une pute, bon... Francis Allard, âgé de 72 ans, oui, non, lui, c'est gagné. Roger Boissieu, non, lui, c'est mort. Voilà. Barnabé Daigre. L'officier de la garde Barnabé Daigre a refusé de poursuivre un voleur qui venait voler une caisse de viennoiserie chez un pâtissier. Daigre s'est justifié en rappelant qu'il avait été blessé au genou par une flèche dans sa jeunesse. Écoute, le prêtre, il a été libéré, et toi, tu vas à la guillotine. Voilà. Allez. Toute forme de velléité de jugement équitable est en partie enfumée.
Ayant donc pris Thémis, la déesse de la justice, et lui en fait un gros full Nelson à l'ancienne, hein, en mode sale, sans aucun respect de consentement ou du reste, on peut donc s'imaginer que la journée s'est plutôt bien passée. Du moins, Tainville a l'air content. Et tant que Tainville est content, voilà, personne ne se plaint. Grosse justice. Hein. Putain. Moi qui ai essayé de juger du meilleur que j'ai pu, malheureusement, obligé si je voulais que les aristos... si je veux continuer à jouer, en fait. On va faire les magasins, ça va faire plaisir à Moumoun. Papy Salvex. Jean-Philibert Salvex. Moumoun Salabotte. Voilà. C'est conquis. C'est conquis! Merci Paris! Mais! D'où sortent tous ces ninjas? Si vous pouvez arrêter de ninjer, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà, ça ferait plaisir. Bon. Arrestation de Henriot. Fuite de Henriot. Fantastique! Ça a échoué. Le vieux renard est malheureusement parvenu à échapper à ses chasseurs. D'après mes sources, il cherche des membres de la commune de Paris prêts à rejoindre une intervention armée contre vous. Il y parviendra sûrement, étant donné qu'il vous a convaincu par le passé de le soutenir. Vous devez réagir et contrecarrer ses plans. Comme tout le monde, les dirigeants de la commune sont avides de pouvoir. Laissons David promettre de grandes carrières à certains une fois Robespierre renversé. Vous devez faire passer à tabac chacun des membres éminents de la commune. Sans eux, Henriot ne pourra pas réunir suffisamment de gens. Si Ramel dispose de quelque chose sur les chambres de les membres de la commune, c'est maintenant qu'il devrait s'en servir pour faire chanter ce prêt à rejoindre Henriot. Espionnage. 60% de chance de réussite. J'aurais peut-être dû la jouer diplomate. On verra bien. Le moment est venu de partir en chasse du plus grand prédateur de Paris. Robespierre n'a jamais été aussi faible que maintenant. Et les gens sont furieux. Attaquons-le avant qu'il ne se relève. Vous devez pour ça gagner le soutien de la Convention. Et puisque vous ne la contrôlez pas... Enfin, pas encore. Bon, 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 bon. Ouais, on a envoyé solide Ramel, hein. Alors le mec, il aura le temps de mettre un coup de dague depuis son carton en mode Metal Gear. Mais il fait ça depuis une zone contrôlée par l'ennemi en flamme. Donc le mec, badass jusqu'au bout. On a 6 points, je souhaite garder mes points. Passer plus de temps avec ma famille, je garde 4 points. On sait jamais quand est-ce que des points peuvent être utiles. C'est fiable. Jour 14. Ah bah merde, ça sert à rien du coup, mes points sont rechargés là. Hein, j'aurais peut-être dû tout utiliser. Bon, c'est pas grave. Citizens, deputies. Ouais. On boit un petit coup, et effectivement, je garde pas les points, j'aurais pu tout utiliser. Bon, c'est pas très grave. Bon, 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 bon. Par contre, on a 12 points parce qu'on a conquis tout Paris. Et ça, c'est confort. Ok. Robespierre est un chien enragé, agressif. Il s'est laissé emporter par la terreur. Manipulateur. Robespierre prend part à une conjuration d'aristocrates. Manipulateur. Henriot lève une armée pour lui. Agressif. La Convention doit donner son autorisation. Pour son propre soutien. Agressif. Solide, 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 solide. D'accord, donc en fait, j'ai rien qui est juste. Alors, putain, il va falloir que je le note parce que... Alors, le premier, ça devrait être... Ma... Ensuite, deuxième, c'est humilité. Excusez-moi, je prépare mon discours. Hein. Je fais comme 90% des vrais politiques. J'ai absolument pas quelqu'un qui les écrit à ma place. Blablabla.
Blague. Très bien. Ensuite, ça par contre, c'est tout rouge, c'est bouladé, donc là, il faut de l'humilité. Voilà. Ok. Et enfin, le dernier, en retrait. Plutôt que de jouer ainsi. Manipulation. Très bien. Ok, on a tout. On a tout. Très bien. Excusez-moi. Manipulation, humilité, blague, humilité, manipulation. Allons-y, on y croit. Manipulation. How many more people have to suffer until we stop this beast? The only thing that matters to him is power. Who could understand your argument? Maybe a sage. Okay. Humilité. On leur lèche les couilles un peu. We cannot lose the National Convention. And that's what will happen if Robespierre will continue to terrorize Paris. Sooner or later, you will defy him and you will share the fate of Danton and Hébert. We all make mistakes. Robespierre is no different. We can still turn him. Of course, give him a chance. A second, third, tenth even. And all the while, he and Clément Renard will see their aristocratic scheme through. It is true. I have been tracking him for some time. He wants nothing more than to reestablish the monarchy. Who here thinks he will give you a chance once that happens? C'est bon ça. Humilité, on les tient là. I feel sorry for those poor people who fall for Henriot's pretty words. The commander is building an army that will march on the convention. Those miserable souls will die for his crimes. On les tient. The convention deputies will wake up to the blade of the guillotine. Only then will they realize what should already be obvious. Henriot and Robespierre will attack them the moment they have gathered enough people. The judge is right! Merci, personne unique qui exprime les opinions de toutes les personnes ici présentes, de manière ordonnée et succincte. C'est absolument pas comme la Chambre des Lords en Angleterre. Très bien. On a plein de soutien du peuple, mais pas des aristos, hein. Who votes for the arrest of Robespierre? Bon. They are coming. Ah! Ah! Ah, Dieu que je déteste ce mini-jeu. Bon, moins tir de suppression gérerait tous leurs canons et tous leurs merdiers. Un assaut frontal buterait toutes leurs troupes. Ça non. Ça neutre. Défense. Et retranchement. Non, tir de suppression, ça m'a l'air d'être la meilleure idée. Avec ça, on devrait pouvoir leur faire des dégâts relativement conséquents. Allons-y, Henriot. On va t'apprendre, salaud. Assaut frontal. Les débiles! Ouch. Ouch. Bon. Assaut frontal, ça devrait faire le taf. Attaque totale!
glaciale de maïs. Ils ont rien vu. Fou, victoire. Eh ben... J'ai quand même perdu beaucoup de troupes. Hein. Miséricorde. You lost Robespierre. The revolution has turned out to be too much for you. Bon, j'ai quand même perdu mes fantômes. Ah ! J'aurais peut-être dû demander au jury de rester sur la touche aujourd'hui. Après, je peux demander la faveur à Tinville hein, et lui faire signer un verdict dégueulasse. Bon. En même temps, si on fait ça, il va fuir Paris. Hein. Mais ce serait un bon petit rééquilibrage. Hein. Moi, je crache pas dessus. Oh, la jauge. Bon. Bon, 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 bon. Là, clairement, c'est pas personnel. Mais ça passe pas, si vous voulez. Là, ça passera pas. Je sais que j'ai bien monté le peuple contre Robespierre, mais Robespierre était pas si coupable que ça, hein, si je puis me permettre. Bon, Henriot, il est tombé... Oh, il est tombé au combat! Tiens, ça lui apprendra! Ça lui apprendra, sac à merde. Ouais, non, alors que tu vois, Danton a fui. Hein. Ouep, 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 ouep. Non, je suis désolé, je sais que j'ai dit que je devais juger selon mon âme et conscience et tout le reste. Mais là, si on veut que le jeu avance, pas le choix. Il va falloir le disculper. Mais bon, il va falloir négocier comment on le disculpe. Alors, enfin, comment on le disculpe. Le disculpe, excusez-moi. Nous l'avons, monsieur le juge, nous avons Robespierre. Nous pouvons enfin le juger pour la terreur qu'il nous a fait subir, pour toutes les accusations de trahison, pour ses tendances dictatoriales. À une époque où le nouveau gouvernement était rempli de personnalités corrompues, il a obtenu le surnom d'incorruptible. Cependant, la France a payé de son sang ses idéaux. La loi du 22 Pré-Réal, qui rendait possible la condamnation d'un homme sans procès, a peut-être été proposée par Couthon, mais c'est l'autorité de Robespierre qui a permis sa mise en œuvre. L'accusé voulait se donner les moyens de tuer ses opposants politiques. C'était un outil parfait qui les empêchait de témoigner devant un tribunal. Lorsque Robespierre montrait quelqu'un du doigt, cette personne était déjà morte. De plus, d'après une rumeur, Robespierre aurait un jour suggéré pendant un dîner avec Bertrand Barrère que la France aurait avantage à décimer sa population, que seule une société en ruine et clairsemée mais idéologiquement pure pourrait reconstruire la France dans l'esprit de la Révolution. Pourquoi Robespierre, un homme dont la réputation un jour a été irréprochable, se livrerait-il à de telles atrocités? La dictature, monsieur le juge, c'est notre dernière accusation. Nous ne trouvons aucune autre explication logique. L'incorruptible a dû souhaiter obtenir le pouvoir absolu sur la France, ce qui équivaut à une trahison. Après l'arrestation de l'accusé, nous avons fouillé l'hôtel de ville et trouvé un sceau gravé de la fleur de lys, le symbole principal du pouvoir royal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, hein. 4 questions, 2 erreurs possibles, pas de piège. La loi du 22 Pré-Réal, mode opératoire. Meurtre de masse, je dirais... Sceau en forme de fleur de lys, une pièce à conviction. Pouvoir absolu... Mobile... Très bien. Meurtre de masse, personnalité de la personne jugée, mode opératoire. Mode opératoire. Très bien. On n'est pas tombé dans le piège. Bon. On peut sauver la situation. Avant tout, je demanderai à l'accusé s'il est capable de parler. Accusé. Monsieur le juge, comme tout le monde ici estime qu'en accord avec la loi, nous n'avons besoin que de confirmer l'identité de l'accusé et de rendre notre verdict sans autre forme de procès. En accord avec la loi, peut-être. Mais est-ce que c'est bien moral? Que l'incorruptible goûte lui-même à la loi qu'il a faite pour les autres! Bon, citoyen, es-tu Maximilien de Robespierre? Alors nous pouvons le condamner à mort pour ses crimes envers le peuple! Je me souviens plus quelle voix je lui faisais à Robespierre. Mais là, ça va être compliqué. Il va falloir que je me mette un mouchoir dans la bouche. Y a pas ça qui traîne?
Alors. Bon. Ah mais tout le met à mort en fait si tu veux. Ah mais tout le met à mort si tu veux. Bon. Est-ce que tes dernières arrestations étaient un prélude à ta décimation de la société? C'est le diable en personne! Rumeur! Jamais je ne veux... Qui serait capable d'imaginer une telle chose? Un monstre! Pour détruire la nation et laisser la place à ceux qui lui sont loyaux? C'est indescriptible. Pas moi! Le sang de dizaines de milliers de personnes est sur tes mains. Ce ne sont pas des rumeurs. Tu as cherché à détruire la nation tout entière. Oh, on est bien là! On est bien! Y a un équilibre! L'accusé a dit pas moi, moi ça me. Parfait. Oui, c'était de nature contre-révolutionnaire. Non, il a pas avoué. Ah, y'a cette question. J'ai peur que si je pose une question, l'opinion du jury tombe trop vite vers la peine de mort. Mais on va. On va. Ah. Écoute. On y croit. Avoues-tu être coupable de trahison et avoir décapité des politiciens qui étaient hostiles aux puissances étrangères? Non, jamais. Je n'arrive même pas à regarder ce traître, il me dégoûte. Je n'ai servi que la France et le peuple. Pourquoi tu as un seau avec la fleur de lys? Fausse preuve, pas moi. Il tente de mentir pour sauver sa tête. Quelle puissance étrangère t'a promis le trône si tu éliminais les politiciens loyaux envers la révolution? Éliminer les traîtres comme vous. On va t'éliminer, nous! Moi, j'ai la réponse de ce que je voulais! La cour est arrivée à une décision. Bah alors, vous ne la dites pas, monsieur le juge? Une seconde. La cour déclare le citoyen Robespierre... non coupable. Me tuez pas! Non, regardez, j'ai signé le papier! J'ai signé! C'est trop tard! Là, 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 là! Il est libre! Libre! Il est libre! Il est libre! Nous ne pouvons pas condamner cet homme! Libérez-le! Merci. Je n'aimerais pas être à ta place quand la foule te retrouvera. Le juge conspire avec le traître! Non, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Greffier, faites sortir les gens de la salle! Apportez-moi un parapluie blindé! Ben finalement, ça s'est plutôt bien passé! On peut aller dîner avec des amis de la convention! Juste après ça, si tu veux! Juste après ce coup! Ça fait baisser que très très peu Mimine. Et ça, je crois que ça fait baisser beaucoup Mimine. Allez, on va dîner avec les amis de la convention. Depuis le temps. Ouais, la balade nocturne, ça m'a pas l'air d'être une bonne idée là tout de suite. Hein. Sortir, tout ça, c'est pas intelligent. Donc là, on va aller se faire mousser auprès des aristos, si tu veux. Oh là là, bien joué. Il est tombé dans le piège. Excellent. Nous avons donc réussi à défendre la zone
Et nous avons Grégory Ramel qui tient toujours la zone et qui les tient, disons, confinés, ces minables. Et ça, c'est vraiment la bonne chose. Donc toi, tu vas défendre là, parce que ça, c'est là, là que c'est le plus gros. Toi, ici, c'est bientôt en flamme, donc on va te déplacer très légèrement. Et puis voilà. Voilà. On est bien, là. On est bien. C'est à nous, ça. Attitude neutre. Bon, tu me diras, on tient presque la totalité de Paris. Hein. Donc on est plutôt pas mal. Complot parfait, parce qu'on a eu un point au-delà de ce qu'il se fallait. Toutes les dettes ont été payées. Ouh. La convention nomme de nouveaux membres du SCP. C'est quoi enfin, du CSP. C'est pas le comité de salut public ? Si, c'est ça. L'heure de Robespierre a sonné. La convention doit à présent choisir de nouveaux membres pour le comité de salut public et mettre fin au chaos qui s'empare de la ville. Compte tenu de votre dernier discours, qui fut impressionnant, vous pourrez sans doute les convaincre une fois de plus, le pouvoir absolu est ainsi à la portée de vos doigts. Pas mal, hein. On est bien. On a plein de points. Calmer la foule, accorder l'immunité, dénoncer, envoyer des muscadins. Calmer la foule, ça pourrait réduire l'agitation dans les quartiers contrôlés. Les agents seront immunisés aux actions de la patrouille. Favoriser les persuasions, envoyer les muscadins. Écoute, on va soudoyer le jury. On va soudoyer le jury. Et on va se garder des points. Bon, pourquoi tu gagnes des points? Parce que parfois, le lendemain, il y a des points qui demandent à ce qu'on ait, ce qui nécessite de l'influence. Ah, mais non, mais on les gagne en nouvelle journée. Je suis bête, il faut que j'arrête de faire ça. Du coup, on va dénoncer. Voilà, et les flics arrêteront les mecs le plus vite possible. Très bien. Pas mal. Fais voir un peu la hiérarchie, là, comment ça se passe. Oh! Pop. T'as fui? Bah, c'est bien, mon gars. C'est bien. Pas mal du tout. Eh ben, c'était une journée bien remplie. D'où Jésus. Et nous avons un clodo. Nous avons un clodo absolu. Mais c'est pas grave, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, même si ce fut un épisode court. Dans tous les cas, on a jugé et vaincu Robespierre, et ça par contre... c'est du prestige. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour We The Revolution. Ah, et oubliez pas la cloche, soyez sympa. On va y passer les 2 millions. On y croit. Des bisous et allez zou.